Oh. Ah merde, ouais. Je vais même pas faire un puzzle de deux pièces, c'est trop dur. Donc, je sais que c'est chiant hein, les vidéos, ils sont très bien, mais. Mais voilà, faut faire le 100% les gars. Sous-vêtements de Nairou, de Dean. Voilà. Et maintenant, ça fait qu'on peut avoir ça. L'amulette de Dean, en fait, c'est un petit clin d'œil parce que dans Wrath of Seasons, on a l'anneau rouge qui rend plus puissant, et dans Wrath of Ages, l'anneau bleu qui rend plus résistant. Et du coup, là, bah, on a l'amulette de Dean et de Nairo. Et en fait, il y a un bug dans le jeu, parce qu'en fait, on peut faire ça pour les trois. Vous devez vous dire, chacune une maison. Et ben non, c'est le jeu est bugué. Et du coup, on peut le faire que pour deux d'entre elles. Et la troisième, ben, la maison n'est jamais construite. Et apparemment, c'est le jeu qui a un bug. Je cherche partout, tout le monde dit ça, donc. Vous voyez pourquoi j'ai besoin vraiment de fragments verts. Ah ouais, carrément. Ça marche ça? Non. Je me disais que c'était trop facile. Il y a ici aussi Marsa, je sais plus comment on fait. C'est sûrement un fragment. Bref. Faut que j'aille dans la maison du maire. Non, et on n'a pas fini. Voilà, ici il y a un passage secret. Non, je crois pas qu'on puisse les lancer. Il est vraiment bien Zelda parce qu'il est pourri de petits secrets. C'est vraiment cool. Alors vous voyez là à droite, il y a un rocher. On pourra le faire que quand on aura deux clones. Pour l'instant, on n'en a qu'un. Hein. Un peu de rubis. Je crois que j'ai pas mal de coquillages aussi, ouais, 300, c'est pas mal. Je pense que hors vidéo, je vais fermer les fragments. Hein. Ah non, ça c'est fait. Je crois que j'ai tout là. Ah non. Ah, ceux-là, je les ai pas. Hein. Toujours les mêmes. Merde, c'est pas le bon. C'est pas le bon côté. Toujours le même, hein.
Non mais si, c'était là. Après voilà, c'est pas un jeu où faut speedrunner quoi. C'est vraiment un jeu où faut prendre son temps, découvrir tous les petits secrets. Parce que c'est vraiment, de tous les Zelda, je pense, sur console portable, celui où il y a le plus de trucs à débloquer. Déjà, il y a énormément de fragments de bonheur, il y a les cartes de cœur comme d'hab, il y a les précis d'escrime, il y a pas mal de quêtes annexes aussi. Alors juste, je fais une mini pause là pour voir où j'en suis. Un petit instant. Hein. Faut que je trie en fait. Faut que je trie les cartes de cœur que j'ai pris parce que sinon je vais me perdre. Ça c'est fait. Ok, c'est bon. Donc, on va aller récupérer encore quelques cartes de cœur. J'ai pas pris la route la plus optimale pour récupérer les cartes de cœur dans l'ordre, mais bon. C'est vrai qu'il m'en manquait beaucoup. Il y a celui-là, là. J'ai jamais pris. On peut celui-là, dès qu'on a les bottes de Pégase, on peut le faire. Il me semble. Voilà, encore un petit peu plus. On va continuer le jeu, on vous en faites pas. Un autre truc à faire absolument, mais vraiment c'est ultra giga important, c'est le truc qui m'a fait recommencer les 4 vidéos là. Alors je sais plus si c'est là. Ouais, c'est lui. Lui, il faut absolument faire son fragment avant d'arriver dans un certain moment du jeu. Si vous le faites pas, bah vous pourrez jamais avoir un certain objet. Voilà, vous voyez, c'est plein sud d'Hyrule. Il y a aussi une petite quête à faire avec Tingle qui est là. Je le ferai plus tard. Parce que sinon la vidéo va être trop longue, je pense. Ah, déjà elle est trop longue, je vais la couper en deux, je pense. Donc là, faut aller au téléporteur qu'on a débloqué là. Il est là. Et ça, faites-le absolument. Bon, je vais vous spoiler le jeu, c'est pas grave. Faites-le absolument avant d'arriver dans le ciel. Parce qu'on aura dans le ciel plus tard dans le jeu. Faut absolument le faire avant, hein. Sinon vous loupez un objet définitivement. Donc là on pourra pas sortir, donc sinon ça sera un raccourci pour la suite du jeu. En fait on est chez les éoliens. Elle nous parle d'un fantôme, hein, vous voyez. Et il est là. Et en fait ce qui se passe, c'est que si vous faites pas ça avant de revenir ici plus tard dans le jeu, par le chemin normal, on va dire, par la porte d'entrée, et ben le mec là, bah il est mort. Donc vous arrivez, il y a personne. Voilà, et ça faut le faire absolument, faut absolument aspirer le fantôme.
et revenir ici plus tard dans le jeu. Hein. Ça sera, de toute façon, dans l'histoire, vous serez obligé de passer par là. Et il va vous donner un objet, vous verrez. Vous verrez qu'on y sera. Voilà. Et on va aller. Alors. Récupérer un autre quart de cœur qu'on n'a pas fait encore. La potion, c'est vrai que je les ai jamais utilisées. Donc là, vous venez en mini-niche, vous allez en haut. Et vous allez arriver là. Pour un nouveau quart de cœur. Non, en fait pas, on va continuer le jeu juste après ça. Voilà, là on va aller. Donc sinon au niveau des trucs irréversibles dans le jeu, il y a ça. Et après, je crois qu'il y a un fragment qu'on peut pas avoir. Ouais, il y a un bug sur la version européenne uniquement du jeu. Il y a un bug de merde qui fait que vous pourrez pas avoir tous les fragments. Si, alors je sais pas si vous voyez dans la ferme Lonlon, il y a un espèce de paysan. Non, c'est pas dans la ferme Lonlon, c'est au sud des rues. Il y a une espèce de paysan. Non, c'est dans la ferme, pardon. Dans la ferme Lonlon, il y a un fermier. Il s'appelle. Alors je sais plus comment il s'appelle exactement. C'est un fermier, vous le voyez en train de mettre des coups de bêche dans le sol. Quand vous lui parlez la première fois, enfin si vous faites le truc pour faire les fragments et que vous quittez, donc c'est à dire que vous faites pas l'assemblage de fragments, et ben définitivement vous ne pourrez plus jamais refaire l'assemblage de fragments. Et c'est un bug qui est que sur la version européenne du jeu. Dans la version japonaise et américaine ça marche. Donc là on a pris ça, alors attendez, qu'est-ce qui me manque? Je crois que c'est tout hein. Ouais. Je crois que j'ai tout fait, ouais. Ok. Voilà, donc là on va continuer le jeu. Ah oui, il y a cette saloperie de serpent du coup. Exactement ce que ça fait les serpents. Il y en a plusieurs à tuer, il y en a 4 je crois. De fragments. Et là ça fait tomber 9 fragments. Oh là là, ce sera tellement bien. On fera peut-être que je mange. Alors. Il est bientôt 14h, je suis pas bouffé. C'est inadmissible. Les coquillages, c'est pareil, hein. Je sais pas si vous vous rappelez, ça sert à. Les coquillages, ça sert à.
à faire les figurines. Ça, je vais le faire en vidéo parce que sinon ça va prendre une vidéo entière de vous montrer toutes les figurines que j'obtiens, c'est pas possible quoi. Alors, il me semble qu'il y avait un truc caché quelque part. Ah, c'est là, ouais. Alors lui, il faut absolument éclairer, sinon... Sinon, on voit ce qu'il dit. Voilà. Petite touche d'humour hein, comme d'hab. En gros, c'est qu'on a tous nos cœurs, on tire des rayons. Hein. Ça, vous avez l'habitude, c'est souvent ça avec les. La deuxième épée du jeu dans pas mal de Zelda. Voilà, on va enfin continuer le jeu, cette fois c'est vrai. C'est parti. Donc le troisième élément hein, qu'on va récupérer dans le temple de l'eau. Non, oh, une encore meilleure épée. Maintenant on peut faire deux clones hein, comme ils le disent. Je sais plus ce que c'est ça. Ah oui, c'est vrai. Alors ça, vous allez voir, c'est complètement con. Il fait ça et il nous ramène en bas. Ça a aucune logique. Voilà, et normalement là, on n'a plus qu'à aller à gauche pour la suite du jeu. Voilà.
Mais on va pas le faire. On va pas le faire parce que maintenant qu'on a le double clone, on a 5 cartes de cœur à l'échange. Non, je rigole. On a juste un truc à faire. Voilà. Maintenant on peut faire un truc qu'on pouvait pas faire avant. Alors il faut que je retrouve où c'est. Je sais qu'il y a le truc du puits déjà. Donc ça je l'ai fait, hein, la grotte là, ouais. Le puits, il est où déjà, le puits? Attendez, je change d'objet parce que sinon je vais encore lancer un coup de... où est-ce que c'est? Je regarde juste s'il n'y a pas des fragments en même temps. Non, lui c'est bon. Putain, mais j'ai oublié un fragment moi. Un fragment. Quand je dis fragment, c'est pas fragment de bonheur, hein, c'est quart de cœur. Pourquoi je dis fragment à chaque fois? Sûrement à cause des fragments de bonheur, justement. Là, il y a un truc à aller chercher normalement. Dans la flotte. Attendez, ça c'est fait. Je suis déjà allé là, hein. Ouais. Oh, c'est pas là alors. Non, moi je vais arriver. Bon, bref. On va la finir cette vidéo un jour. Alors. Où est-ce que je suis pas allé? Il y a le puits et il y a un autre truc. Ça serait pas ça d'ailleurs? Si, c'est là. Donc là faut avoir deux clones, hein, pour pouvoir faire ça. Voilà. Et le dernier endroit, c'est le puits. Il faut que je me rappelle où il est. Attendez, y'a pas un truc avec lui? Non. Je préfère les faire pendant que je peux. Alors par contre, pour retrouver à la fin du jeu, quand j'aurai fait tous les fragments, pour retrouver quel fragment que j'ai fait et quel fragment que j'ai pas fait, je pense que je vais pleurer là. Le puits il est où? Certain qu'il y a un puits quelque part. Ouais. Le puits. Il y a de l'eau. Il était pas au centre, il me semblait. Ah mais non, il est en bas à droite. Je m'en rappelle maintenant. C'est qu'il y a aussi une petite quête avec le facteur. Voilà. Et on peut enfin... Il va mourir Link là. On peut enfin faire ça. Non, faut pas le mettre là. Ah non, c'est ça qu'il faut mettre là. Je suis bête. Ça m'a fait de la peine de le voir souffrir donc. Je vais pousser après. Il a dû se péter le dos là. Voilà, 208. Donc ça servait pas à grand chose, hein. C'est juste pour de l'argent, mais... Les rubis vont servir parce que j'ai pas mal dormir à l'étel pour récupérer des fragments verts, je pense. Et puis, bah de toute façon, il y a pas mal de trucs à acheter après. Voilà, voilà. Donc, on va retourner à la suite du jeu.
Ah, c'est quand même beaucoup plus agréable. Vous voyez là, le temps que je passe à faire cette vidéo, bah, je vais passer autant de temps à essayer le truc des poules là. La dernière fois. C'est pour vous dire à quel point c'est vraiment. C'était vraiment un carnage quoi. Je sais plus si c'est en bas ou. Ah, c'est là, c'est pas. C'est là la suite du jeu. Mais par contre, je crois que j'ai oublié de faire un truc. Je crois qu'il y a un truc par là que j'ai pas fait. Alors qu'est-ce qu'il y a ici déjà? Oui, c'est la même chose les deux. Ah oui, là il y avait un quart de cœur. Ouais. Voilà, et on arrive à la Vallée des Rois. Je vous laisse ici, et puis je vous dis à la prochaine. Bon, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo, même si c'était surtout du farm de quart de cœur hein, en boucle. Mais bon, comme ça, c'est fait. Allez, à plus.